Coucou tout le monde. Alors, année magnifique, je vais vous le montrer, je l'ai reçu aujourd'hui, enfin le 23, on va dire le 24. Elle est magnifique, regardez. Une belle couleur verte, magnifique, bracelet en cuir. J'avais dit que j'allais faire leur vidéo, ça vient d'Allemagne. Holzwerk, très belle montre. Alors t'avais le même couleur violet, mais j'ai pas pris, je préfère vert. Après, il y avait bleu, mais j'ai pas vu bleu, parce que sinon j'aurais pris bleu à la limite. Rouge, j'adore aussi, mais rouge aurait été un peu trop... Mais vert, elle est très très jolie. Waouh. J'en filmerai que le portable, elle est magnifique. Oh bah franchement, elle est magnifique. C'est vert olive, c'est magnifique. Attends, je vais vous lire un petit peu le truc avant. Alors, montre bracelet extraordinaire fabriqué à la main avec un cadran vert olive et noir dans un design unique de feuilles d'arbre. Boîtier en acier inoxydable et bracelet en cuir robuste noir. Placez-le facilement et en toute sécurité autour de votre poignet grâce à la fermeture à épingle pratique. Le modèle Fish Tonneau est résistant aux projections d'eau 3 ATM, je sais pas ce que ça veut dire, et équipé d'un mouvement à quartz japonais de haute qualité. En plus, je ne savais pas. En représentant une véritable feuille d'arbre, chaque montre est unique de par le grain et les différents dégradés de couleurs. Sans exception, la livraison s'effectue. Oui, en plus, chaque montre est unique de par leur grain. Ça veut dire que chaque montre qu'ils font, ils n'ont pas la même teinte. C'est un truc de fou. En représentant une véritable feuille d'arbre, chaque montre est unique de par le grain et les différents dégradés de couleurs. Sans exception, la livraison s'effectue dans une élégante boîte de rangement pour montre en bois comprenant un coussin textile doux. Voilà. Et je peux vous montrer la boîte, qu'elle est magnifique. Et en plus, ce que j'aime bien, j'avais pas vu. Elle est magnifique, hein, j'aime bien. Et puis, cuir noir. Franchement, je vous dis, ça, là, on voit les couleurs sont magnifiques. Ça, vous allez voir avec l'autre. Très, très. Comme une feuille, quoi. C'est très joli. Hein, avec la marque derrière, ici. Holzwerk, derrière. Et puis, là, sur l'aiguille. Ah, c'est fascinant. J'aime bien. Peut-être un jour, je prendrai une autre, je sais pas. Mais j'aime bien. Ouais, c'est possible. Peut-être une plus chère. Et j'ai vu que avec le soleil, j'avais remarqué tout à l'heure, si tu laisses longtemps au soleil, après tu rentres, tu vas dans l'ombre, et ça s'éclaire à l'intérieur. C'est magnifique, c'est phosphorescent. Le vert est phosphorescent, la feuille à l'intérieur, enfin la fausse feuille qui est très bien faite, on a rien de vrai. Ça, ici, ça fait du vert clair, c'est magnifique. Je l'ai vu, il faut laisser longtemps au soleil, parce que là, comme ça, dans le noir, c'est un tout petit peu, on voit pas de trop. J'ai essayé avec une lampe comme ça, mais ça marche pas, c'est que le soleil. Et le vert, il ressort, c'est magnifique. Pas comme une montre Casio, tu t'appuies dessus, ça fait des petits LED, pas des trucs électroniques, hop, ça s'éclaire. Non, c'est vraiment une couleur qui est magnifique, qui ressort. Alors là, voilà. Mais il faut qu'elle aille au soleil, là, je peux pas comme ça, je pense qu'il y a que le soleil qui peut faire ça. Et c'est extraordinaire. Ouais, franchement, ouais. Le boîtier, très beau boîtier, Holzwerk, c'est pas twerk, hein, c'est autre chose, avec un serre, un magnifique en bois, quand tu allumes, tu l'ouvres, hop, comme ça, et puis il était comme ça dedans, voilà, tu l'enlèves, ici, là, j'ai du mal comme ça, voilà, bon, c'est pas le même montre, c'est pour montrer le... Des montres, différentes montres qu'il y a dedans. Bon, c'est un petit livret, hein. Bon, après, ça peut pas être en français, je pense pas. Voilà, etc. Et un petit truc ici. Voilà. Ouais, ça, c'est le petit logo. Ça. Voilà. Je ferai les photos de ça aussi. Et franchement, c'est très, très sympa. Le coussin qui est magnifique aussi. Tu le refermes. Voilà. Tu fais ça comme ça. Et avec le crochet. Classe. Très classe, rien à dire. Et la montre est magnifique. Je vous dis, ça a fait un truc magnifique. Très très joli, très sympa. Ouais, franchement, c'est classe. J'aime bien. Élégant et classe, quoi. Voilà. Bon, à peu près 79€, mais payé en 4 fois, on ne paye pas, évidemment. Mais moi, je dis que c'est correct parce que la montre est magnifique. Peut-être qu'un jour je vais prendre une autre, j'en sais rien, je vais voir. J'ai déjà 4-5 montres d'avance, c'est pas la même marque. J'ai d'autres montres, c'est une Victa, c'est des montres russes, j'ai payé beaucoup plus cher sur Amazon il y a longtemps. J'en ai une autre, c'est la marque Lee Cooper, je sais plus si c'est anglais. J'en ai encore une autre ou deux, je sais plus ce que c'est comme marque. Il y a même une montre que mon frère a carrément donné qui vaut un petit peu la peau des fesses.
Voilà, il n'aurait pas dû parce que c'était ses amis au moment où il s'en allait. Finalement, il revient habiter à Paris, il pensait déménager. Et il me l'a donné. Alors que ses amis l'avaient offert, vous imaginez? Et j'ai dit, t'aurais dû la garder, franchement. Une autre montre qui est magnifique, mais c'est autre chose. Celle-là, franchement, elle est très très jolie. Je vais faire la vidéo avec le portable. Voilà. Voilà ce que ça donne quand tu éteins le truc, évidemment. Et après, quand tu allumes. Voilà. Elle est magnifique. Oh la vache. Je vous dis, c'est très très joli. Ben, déjà, on le voit. Hein. Regardez, regardez la gueule. C'est très sympa. Je connais pas cette marque-là. Et j'aime bien. Elle paraît simple, sauf, mais elle est très jolie. Regardez, regardez comme le verre est beau. Intérieur, regardez comme c'est beau. Je dis pas d'inverse, hein. C'est même plus éclairé comme tu vois comme ça, parce que quand tu le mets sur ton poignet, c'est plus foncé la couleur. Mais bon, je vous dis, quand tu le mets au soleil, j'ai fait le test à l'heure et c'est magnifique. En fait, le verre il ressort comme ça, comme ça, comme ça, un beau verre derrière. Bah déjà, on voit que c'est plus clair ici, si vous regardez bien. Le verre olive qui est derrière, il ressort, c'est magnifique. Voilà, c'est un phosphorescent, je sais pas quoi, c'est assez superbe, très très joli. Ouais, minuit 5, ouais, je sais. Enfin, même pas minuit 2. Waouh. À l'arrière, évidemment. Le brassé qui est très joli ici, mais là c'est bon aussi. Tiens. Non, franchement, c'est très 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 joli, très sympa. Très jolie montre. Hein. Le boîtier, hein, je vais pas leur montrer, mais voilà le boîtier qui va avec. Voilà. Voilà. Voilà, intérieur. Voilà, j'en ferai une photo, je la mettrai dedans. Ah ouais, c'est très joli. Je suis bien content. Elle est super classe. Ah ouais, c'est magnifique. Waouh, waouh. Vous voyez, si vous regardez bien le verre olive au milieu, ça fait plus clair, vous voyez. Ici, il y a plus de clair, là. Et tout à l'heure, c'était magnifique, là. Quand je suis sorti dehors, bah, dans mon jardin, je suis rentré, je dis, ouh, j'avais pas vu, pourtant, c'est pas, j'ai pas vu, j'ai cru voir phosphorescent. Mais alors, le verre, il ressort, c'est, waouh. Truc de dingue, quoi. Pas un truc où t'appuies sur un bouton, où tu vois le bazar, hein, ça dure 2 secondes, non, non. Non, c'est très, c'est pas la même gueule. Donc il y a eu design japonais et en plus elle est allemande. Bon alors là, waouh, ça m'étonne pas que c'est très joli. J'en prendrai peut-être un modèle un autre jour, je vais voir. Ouais. Ouais, je sais que c'est pas donné, mais quand même. Après il y en a des plus chers, mais encore les prix sont raisonnables. Peut-être le plus cher, c'est peut-être 149, je sais pas. Je suis pas sûr, mais ça va encore. Là, 80, 79, payé en 4 fois, ça va, ça fait que 20 euros par mois, c'est pas énorme. C'est raisonnable. Allez, je coupe. Super. À bientôt. Thank you.
Thank you.